Les gens peuvent dire, franchement, j'ai envie de construire comme Flore, j'ai envie de voyager comme Flore, j'ai envie de me battre, j'ai envie d'avoir la moralité de Flore. Mais celle-ci, toute personne qui est son amie, regardez comment ça se termine. Donc, elle parle de boss, on dirait que c'est la première fois qu'elle a un patron dans sa vie. C'est la première fois de sa vie qu'elle a un patron. Tellement elle parle de ma boss, c'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est la première fois que tu as eu quelqu'un que tu appelles quelqu'un patron. Tu es parti vendre le terrain. Tu es parti souiller l'inquoi. On appelle l'inquoi les vendeurs de terrain. En 2024, tu as un terrain. Tu pars, tu vends le terrain. Après, vous allez venir insulter les Bamileke ici. Hein? Vous allez venir insulter les Bamileke ici. Voilà la preuve. Toi. On va venir insulter les Bamileke ici. Vous allez, c'est toujours vous qui allez. C'est toujours toi qui vas dans le groupe d'insulter les Bamileke. Ah, ah. Si je. En 2024, tu es une fille en Europe, tu pars vendre un terrain. Tu pars, tu vends un terrain. Et tu viens bavarder, tu viens. Tu peux, c'est-à-dire que même le seul bien que tu pouvais avoir, tu es dans l'humanité, le terrain là pouvait servir de construire un orphelinat. Prends l'argent du terrain et construis des, au moins 4 forages. Ce n'est pas avec l'argent des gens. Ce n'est pas dans les poches des gens que tu vas aller être maman gentille. Tu as conçu, va, prends l'argent là. Les gens partagent, si elle est dans un HLM à Rouen. Aucun bien en France. Tout ce temps, pourquoi elle n'a pas pu acheter une maison? Elle a été en Europe. Elle a été en Europe pendant que, au moment où tu pouvais, il n'y avait même pas d'apport pour avoir un appartement. Parce qu'elle n'a jamais voulu travailler. Elle n'a fait qu'écarter les cuisses, border à gauche à droite. Border à gauche à droite. Je lui pose la question que la fille qu'elle est en train d'adorer là, est-ce qu'elle aimerait voir sa fille dans la bordellerie là? Je vois des grandes personnes qui disent, je suis TK, mais tu es TK quoi de celle-là? Une femme qui nourrit un homme, une femme qui envoie un homme en prison. Une femme qui a envoyé les femmes se prostituer ici à Paris. Qui a détruit les femmes ici là. Toi maintenant tu veux faire l'humanité, tu as l'argent de côté, tu n'es pas une pauvre femme. Prends, à quel moment tu as fait l'humanité avec ton argent? À quel moment tu as utilisé ton argent pour faire l'humanité? Pourquoi tu es dans l'escroquerie? Ne compare pas ta part avec les gens. Hein? Les gens ne sont pas tout le temps en train de demander les dons. Hein? Un blogueur peut avoir un projet, il demande à ses abonnés, accompagnez-moi. Mais le blogueur, et que ce ne soit pas la seule source de revenus. Que lui aussi mette l'argent là-dedans. Les gens t'accompagnent parce que les gens te suivent, les gens te soutiennent. Mais toi, tu demandes l'argent incessamment. Tu es toujours en train de gratter les gens toute l'année. On doit te donner là, on doit te nourrir. Une femme qui est dans un pays où il y a le ménage. Une femme qui a le compliment qu'elle a pour son gars là, c'est qu'il est costaud. On se met encore en couple avec quelqu'un qui vient marier toute la nourriture. Ou bien quelqu'un qui vient contribuer. S'il vous plaît, partagez le live. Merci. On se met encore dans une relation pour venir montrer aux gens que mon gars est grand de taille, mon frère. La grandeur d'un homme, c'est sa capacité à contribuer pour la nourriture, à contribuer pour le loyer. Qu'est-ce qu'elle montre comme exemple aux gens? Un homme qui vient, qui lui parle comme un enfant, qui drague les femmes, un homme qui est même incapable de la respecter. Qu'est-ce qu'elle veut promouvoir là? Quel genre de relation tu veux promouvoir? C'est toi-même qui viens en public dire que ton homme drague les femmes partout. C'est quoi ça? Une femme qui ne sait pas se lever le matin, aller travailler pour se nourrir, mais qui compte sur l'argent des gens qui se lèvent le matin, quand vous-même, franchement, hein? Quand vous-même vous portez l'argent là, vous portez l'argent pour aller donner aux gens. Quelqu'un m'a dit que j'aurais les problèmes avec Thierry. Mais il faut qu'il ait l'argent pour. Il faut qu'il ait l'argent pour payer les avocats. Est-ce que les conneries l'ont fait ça avec moi? Quand il est en train de manger l'argent que sa femme insulte les gens là, je lui ai dit, toi Thierry, dis à ta femme d'arrêter. Elle ne peut pas arrêter. Quand il mange le poulet des insultes, où cette fille insulte les mains des gens, cette compresseur, lui, patron, oh ma boss, on dirait que cette femme lui donne un smic. Ça ne va même pas tarder, elles vont avoir des problèmes. Je parle à Thierry, parce que j'avais dit à Thierry que sa femme parle de ma mère. Je parle à Thierry, je lui parle. Et s'il est très énervé, qu'il aille dans un commissariat, il peut me déposer près là-bas, ou alors quand il me voit, il vient bagarrer avec moi. Parce que c'est lui qui encourage ça. Un homme incapable de contrôler cette femme.
Tous les jours, tu déshabilles une femme qui insulte les gens sur Internet, on va te laisser. Elle fait des cadeaux à qui? Vous voulez que je vous mette une partie de cette vidéo où cette femme insulte le cadavre de ma mère? Vous voulez écouter là où elle insulte cette pauvre chose-là qui dit qu'elle a donné à manger à ma maman? C'est lui qui mange dans des... Ça, comme il mange dans des clashs, il va en reponte. D'accord? C'est lui qui est derrière la monétisation en train d'encourager cette fille. Je lui avais dit, toi, Thierry. Il m'a dit, pourquoi on parle de lui? On va parler de toi, parce que tu manges dans des ça. Un homme incapable de récupérer une famille, il dit, tu chantes ta trajectoire. Il y a beaucoup de filles qui refusent d'être avec moi pour Internet. Il y a des filles, j'ai été en couple avec des filles qui m'ont dit, si tu continues sur la toile, je ne suis pas avec toi, ils n'ont pas été avec moi. Pourquoi ils restent là? Parce qu'il y a l'argent. Tous les dons là, tout l'argent des gens là, c'est lui qui mange ça. Et on a des nouvelles qu'il ne paye même pas les pensions alimentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'appelle comme ça? Mais vous pensez quoi? Lui, Thierry mangeait l'argent des mangeurs d'argent de la pimenterie, de la bordel qu'on appelle la pute, la saleté ici. Il va supporter ça. D'accord? Comme il a sidéré la monétisation de la saleté de ce Thierry-là, eh ben, il est dans le game. Il est très énervé là. Il y a le commissariat à Rouen. On me convoque, je viens là-bas. Tu ne peux pas sortir avec une femme, elle ne travaille pas. Elle vient mendier sur Internet, tu es assis, tu dis que tu es un homme. Après, on va dire que l'inquoi. Quelle honte. On peut voir un gars bamine qui se comporter comme ça. Et ce sont des gens comme ça, vous allez les voir, ils sont dans les associations. Ils sont dans les associations où ils disent que les bamilikés, les graphies. Un homme, il est assis avec une femme, regardez le sale qu'il fait, il est assis, il dit qu'il est un homme parce qu'il est costaud. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mon frère, tu m'attaques en justice, tu veux m'attaquer là, on part en justice, tu vas sortir l'argent. L'argent, et c'est elle qui va sortir l'argent pour qu'on se retrouve là-bas. Regarde-moi un homme, il n'a même pas honte. Tu dors avec une femme, son travail c'est insulter les gens sur Internet et de mendier. Tu ne peux pas l'enlever là-dedans et vous partez tous les deux. Tu aimes cette femme quand? C'est toi qui prends les balles. Parce que cette bouffonne qui est en gare, comment tu arrives à jus même dans ses fesses? Dis-moi un peu. Tu arrives à jus dans ses fesses comment? Quand elle a fini d'insulter les gens là. Quand elle a fini de trahir ses amis, l'indolo moulima. Tu es un homme, tu acceptes ça. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, mec. Zéro respect. Tu as arrêté de travailler. Regarde ce que ta femme fait sur Internet. Tu attends quoi pour la quitter? Dès que tu vas la quitter. Et c'est moi qui vais veiller que tu quittes ça. Je veux entendre que tu n'es plus avec elle. Parce qu'elle te salit si tu es un homme. C'est pourquoi tu prends les balles. Vous asseyez souvent dans les réunions pour dire que les bamilikés. Tu peux voir un gars bamilikés supporter les choses comme ça. Moi, j'étais en couple avec les filles bamilikés pendant que je suis blogueur. Elles m'ont dit, du camé, tu arrêtes sur Facebook. Elles ont préféré partir. Une femme même avec nous, les blogueurs, c'est pas facile. Toi, tu es un homme, tu es dans quel genre de relation? À cause du plantain? Avec du plantain avec le poisson. Tu es un homme à quel moment? C'est mieux même que tu sois avec ton ancien gars, même c'est une pimentière. Mais c'est dans la discrétion. C'est quoi cette pimentière vulgaire? Cette pimentière blogueuse? Une pimentière n'est pas dans le blog. Il y a des femmes qui vendent le piment qui se respectent. J'en ai connu, j'ai accepté ici que j'ai sorti une femme qui vendait le piment. Elle était dans sa discrétion. Et c'était une femme. Hein? Que toi, tu dois arrêter la relation si c'est tu dois. Moi, je vais veiller pour que toi, tu arrêtes de couiller cette saleté. Sinon, tu vas prendre les balles. Tu es énervé, il y a la scène en France, tu vas te pendre là-bas. Voilà. Elle doit rentrer encore chez Dicolo qu'elle a mis en prison. Une saleté comme ça, elle, c'est qui ça? Regarde-moi des gens comme ça. Tu es un homme, toi Thierry. J'ai dit que c'est toi Thierry. Parce qu'elle essaie de se calmer. Je sais, son médicament, c'est que c'est toi, on t'attaque. Tu vas être dans le game là. Pour rajouter, parce que c'est Thierry qui bouffe la de cette bordel là. Une femme comme ça qui n'a aucune loyauté. Là, voilà, il y a. Voilà Orangula qui contribuait les sacs de riz pour toi là. Tu n'es pas yanté là vendre ma bosse. Ta bosse même travaille déjà avec celle-là. La saleté qui est là-bas au Canada là. Celle qui est déjà décapotable comme les vieilles voitures, comme les vieilles Peugeot de 1900, ouais. N'importe quoi. Ta boss, vous êtes une bande de gens sans loyauté. Même ta boss n'est pas loyale. Elle t'a vendu. Tu penses que tu as la compétence des babalais? Tu as la compétence des babalais, toi, là? Tu penses que ta boss peut faire marche arrière avec toi? Qui ne connaît même pas présenter un produit? Hein, les produits de... Pardon, tu peux m'aider là-bas. Et gérer l'humanitaire. De quoi? Tu peux prononcer quoi pour être... Partager le live. Partager, s'il vous plaît.
S'il n'y avait pas des malades mentaux, c'est que toi, tu peux faire le direct, il y a 1000 personnes, ils écoutent quoi? 1000 personnes peuvent t'écouter, qu'est-ce qu'ils vont écouter là-bas? À cause de toi, mais on est dans la distraction. Je devais être en train de parler d'Aya ici, là. Ça part de ton espèce, saleté que tu sois, bordel que tu sois, pimentière de ton espèce. Toute une fille qui a fait la bordellerie, elle n'a même pas gardé 10 000 euros quelque part. Tu n'es même dans aucune réunion, même dans une réunion, tu n'es pas dans. Tu es une petite langue par où? Pas bête comme ça là. Même ton gars là, il peut même pas s'asseoir, il te donne quelques petites règles de grammaire ou de vocabulaire. J'ai vu un moment ici où les abeilles ont commencé à me lancer des piques, ont commencé à faire des directs sur moi, à me traiter de machin et tout. Bref, j'ai jamais pleuré. Mais quand tu dis que la mère de Flo était folle, tu as oublié ça? Tu as dit que la mère de Flo était folle. Hein? Tu as traité la mère de Flo de folle. Tu penses qu'on oublie les choses là? Tu es parti former Nicole Kétia pour insulter les gens, non? Tu as détruit la vie de maman. Elle est au Cameroun comme ça, là, elle est malade à cause de toi. Tu l'as mis dans la saleté. Et voilà ton gars qui va couper ça. On va l'insulter maintenant tout le temps. On va l'insulter tout le temps à cause de toi. Jusqu'à ce qu'il se sépare, il te quitte. Et puis, il sera libéré. Sa libération, c'est qu'il te quitte. Parce que c'est toi qui le mets là-dedans. Voilà, tu es spécialisé. Moi, j'entends te parler, ne parle pas de ta mère. Mais tu es spécialisé dans les mères des gens. Saleté comme ça, là. Passe le temps à nous raconter des conneries comme ça, là. Je ne parle pas avec ma... Machin là-bas, là. Je parle pas avec elle. Ma machin, tu peux mépriser qui même? Quand je te vois, tu méprises les gens. Tu méprises les gens sur la base de quoi? De quoi? Parce que tu as l'argent plus que ces gens. Tu méprises. Ça n'empêche pas que ma copine et moi, si on veut se dire des choses, on se dit. Si on veut... Quelle ta copine? C'est ta collègue. Ma copine et moi. Copine que tu as insulté sa mère ici comme il n'est pas permis. Tu rêves. C'est ma copine. Voilà, c'est comme dit Ayo, ton gars c'est le trophée. Un gars il te bastonne tout le temps. Combien de fois moi-même tu as dit qu'il te tape? Que tu es malheureuse avec lui, j'ai juste la tête à ma mère, m'a dit que ce gars, franchement. On s'appelle, on parle comme si de rien n'était. Est-ce que j'ai fait un problème parce que elle parle avec une personne qui m'a souhaité la mort, qui me souhaite même encore la mort? Est-ce que de mon côté ça a affecté les sentiments que j'ai envers elle? Non. 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 Regardez une gars, parce que moi j'ai même la torche. Tu as une femme, tu es chez toi. C'est toi qui payes ta maison. Un homme arrive, il te donne les directives. Hein? Oh, le gars arrive, je vais dormir et tout, dans ta maison. Tu n'es pas capable c'est-à-dire de structurer ta vie. Tu es là soumise comme ça, tu portes tout l'argent du terrain, tu pars, tu lui donnes. Dès que tu as la monétisation, 1000 euros, il a appris, il part boire les biens, il a appris chez d'autres gars. Il mange ton argent de monétisation avec son ex. Hein? Pendant que tu parles là, tu avais arraché. Maintenant, il part, il dort encore chez l'ex. Tatiana, big up à toi. Big up à toi, Tatiana. Mets-moi le big up ici. Récupère ça. Tu le couilles correctement. Le jardin Binda. Tu as montré une seule fois un bijou que ce gars t'a offert. Même t'offrir une belle petite voiture pour sauver même l'honneur que je sois avec une star. Voilà une petite voiture même de 5 000. Et tellement il n'est pas solvable que même le crédit, il ne peut pas prendre. Parce qu'il pourrait au moins sauver l'honneur. Dis que j'ai acheté au moins une voiture de 10 000 donnés à mon gars. Avec tout l'argent qu'il mangeait derrière. Tout l'argent qu'il mangeait derrière. Voilà les hommes. Tu vois, les hommes comme ça là. Il aime quoi? Il va s'asseoir. Il va avec les babilles. Avec les babilles. Souilleur de quoi? Tu trouves une femme avec des handicaps. Tu peux même pas l'aider. Hein? Tu peux même pas l'aider. Tu lui apportes rien. Tous les jours. Ça fait 4 ans. Il est toujours là. Il part chez la fille. Il mange. Il dort. Qu'est-ce qu'il a acheté même dans la maison? Rien. Tu ne nous connais pas sur Facebook, Thierry. Quand nous, on va être sur toi, là, tu vas fuir. Voilà. Quand nous, on est sur quelqu'un qui est marié, qui nous casse la tête dans le mariage, on va seulement... Laisse. Tu es venu jubiler la séparation de Lolo Fondia. C'est ta part. Parce que Thierry, là, il va quitter. Sinon, il va subir. C'est d'abord un fainéant. C'est d'abord un homme qui n'a pas de sang. Il vit avec toi depuis, il n'a rien acheté chez toi. On ne t'a jamais vu quelque part un voyage que Thierry t'a offert un voyage. Hein? C'est quel grattage, ça même. Partagez-moi le live là, je ne veux pas voir le nombre là. Le nombre là ne me suffit pas, s'il vous plaît. Tu sors avec un homme, jamais. Un voyage que oui,
Tu te vantes avec quoi? Avec l'eau. Un seul petit voyage spécialisé. Hein? Voilà, et en plus, elle demandait même le blanc. Le blanc à pas mes sangs, derrière. N'importe quoi. Je ne suis pas une suiveuse. Ah bon? Si je suis avec quelqu'un, que je constate que la personne commence à avoir des comportements qui vont à l'encontre de ce que moi je connais, je commence à me retirer d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de cogner le dicalo. Non, je ne tape pas le dicalo. Je me retire doucement dans le respect sans offenser personne. J'ai mes personnes sur la toile que, même si j'ai dit que je ne vais plus clasher, j'ai des personnes sur la toile que, si j'entends un dossier qui leur concerne, je sors en criant. Ça, tout le monde le sait. Et ça ne chauffe pas. Donc, il est inadmissible. Bon, vous avez compris ce qu'elle a dit, non? Bonsoir, Sylvie Ténia. Elle dit qu'il y a des personnes sur la toile, si elle comprend les dossiers. Si elle comprend les dossiers, elle sort en criant. Donc, vous comprenez les raisons pour lesquelles on peut aussi sortir sur elle. Voilà. Cible. Que Aurore, que je considère, se permettre de faire un live contre nous. Ça, c'est pas bon. Oui. Qu'on va se permettre de me faire. Non, excusez-moi. Vraiment, ça me déçoit un peu. Mais Orangoula, voilà les gens, tu es parti te soumettre, voilà, tu es parti te soumettre aux gens comme ça. Tu t'attends à quoi? Une femme comme toi, avec toute la tête que tu es parti te soumettre à une analphabète. Regarde comment elle te prend. Elle va se soumettre là-bas ailleurs et elle veut que tu te soumettes. Pourtant, tu avais raison. Parce que quand tu as vu cette super chérie de sa bosse qui allait se rallier avec Babalé, c'est ça que tu as dénoncé. Et elle, en fait, elle te prend pour une chinda. Tu vois, Orangoula, ce que vous faites? Quand on combat les saletés comme ça, vous venez encourager ça. Aujourd'hui, donc, elle croit vraiment qu'elle est ta patronne. Hein? Elle croit vraiment que tu es subalterne, en fait. Et ça, hein? Heureusement que c'était inacceptable pour toi, tu as claqué. Je suis un peu déçu quand même. Je suis déçu du fait que, parce que depuis là, on n'a pas fait de sortie. Donc, les personnes qui sont venues se plaindre n'attendaient que le moment où Babalé va représenter les produits Gutalan à comment on appelle là-bas encore? À Yabassi. Dans la ville là-bas où elle est là-bas. À Yabassi. En Kossamba. C'est maintenant que ces personnes ont vu qu'ils vont venir se plaindre. Depuis, ces personnes ne se sont pas plaintes. Elle y est. J'ai envoyé ma fille ici en mission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait, moi? Je n'arrive pas à comprendre souvent certaines personnes. Ce n'est pas bon. J'aime pas ça. En plus, Ro a mon numéro. Elle a même ma ligne personnelle. Je n'ai pas compris le but de son live. Non mais... Mais Aurore... Toi, tu vois comment... Tu vois comment on te soumet, en fait. Attendez un peu. Attendez, je vais prendre la pelle ici. Alors, oui.
Excusez-moi. Je suis en position blocage. Vous voyez quand même elle là-bas. Là. Elle est perturbée là, elle est là. Une seconde, pardon. Excusez-moi, deux secondes, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait, nous? Elle nous perd le temps, mon frère. Elle a besoin du renfort d'Abel Kamer. Et avance. Donc, ça là, c'était une parenthèse. Maintenant, j'ai... C'est Oran Goula. C'est un direct dans lequel elle est contrainte de manquer. Pourtant, Oran Goula est en train de faire... Elle est trop bête. Parce que Oran Goula, ce n'est pas une personne qu'elle devait attaquer. Puisque Oran est en train de l'aider dans sa récolte de fonds. Hein? Oran Goula qui est en train de l'aider. C'est un maillon fort pour elle. Oran est en train de recouper, de l'aider dans la récolte de fonds. Mais comme elle est idiote, c'est la nourriture, la mendicité. Sa bosse est partie de le Sissia. Et Oran, sa bosse allait lui dire que tu dois aller parler à Oran, faire le direct. Au lieu d'aller parler aussi eBay à Oran, elle demande à Oran Goula, Oran Goula, honte à toi. Donc toi, tu veux venir te soumettre à ça là. Elle te dit que toi, tu devais l'appeler eBay. Pourquoi elle ne t'a pas appelé eBay? Parce qu'on lui a ordonné de venir faire le direct pour t'humilier en fait, pour te dire ça en public. Elle a agacé. Tous les sacs de riz que tu as récoltés partout, partout là, au rang, là, tu as fait comment? Tu as dit que tu vas donner à Hortense Coco. Comme toi aussi, tu es rancunière là. Parce que dans sa récolte des fonds, tu étais efficace. Tu savais parler aux gens. Tu connais ta capacité de ta capacité pour réunir les gens par rapport à quelque chose. Et elle ne sait même pas. C'est-à-dire que c'est une fille. Franchement, compris ça, tu es trop bête. Même dans ton entourage, il y a des gens dans ton entourage que. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Hmm? On a goûté Sissia de venir faire le direct et de laver Oran Goula. Oran Goula maintenant, voilà. Tu es venu... Pam, pam, tu bombardes Aurore, pourtant Aurore, c'est quelqu'un qui t'aide à récolter les fonds. Aurore t'aide à récolter les fonds. Regarde, Aurore, tu vas te soumettre. C'est comme ce que tu es en train de faire là, Ndolem Yondo. Tu as besoin de venir dire compresseur, je te soutiens, tout ce que tu es en train de faire là. L'important de ça, c'est quoi? Si on te demande, toi, Ndolem Yondo, les compresseurs, je te soutiens, que tu fais là, ça a quel sens? Si tu soutiens compresseur, prends ton salaire, tu lui donnes, elle a besoin de manger. Ton soutien avec la bouche, c'est par rapport à quoi? Hein? Donc, quand tu restes là, je soutiens comme tout ce que tu babades là, c'est aussi pour te faire voir. Ça, quelle importance? L'important de je soutiens, compréhension, si tu la soutiens. Voilà, donne-lui le soutien. Tu n'as même pas besoin de venir te préciser, de venir dire je soutiens, tout ce que tu peux, je soutiens. Hein? Si tu soutiens compréhension, clash du camer, clash les gens qui la clash, comme tu m'as clashé toujours. Là, soutenir, c'est clasher ses ennemis. Tu vas soutenir comment si tu n'es pas dans les clashs? Donc, ça sert à rien en fait de jouer à ce jeu. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'effet. Si tu soutiens le compresseur, tu dois insulter. Ici, on la lave. Ici, c'est pour laver le compresseur. C'est là, je dirais, c'est pour la laver. Parce que c'est on lave même son mari. On lave Thierry. Mais comment tu ne peux pas insulter? Tu dis que tu la soutiens comment? Elle n'a pas besoin de ton soutien. Mais oui, ici, là, on lave Thierry. On lave le compresseur. Mais on ne touche pas les enfants. On ne touche pas sa mère. Elle insulte nos mamans. Elle insulte nos enfants. Donc, en gros, Oran Goula, regarde, tu as été soumettre, on t'a humilié. Je reviens maintenant sur l'histoire de Babalé et Babalé. Babalé, c'est une vieille meuf qui ne s'assume pas. Hein? Les Babalé, les Patricia, mais c'est des vieilles filles qui ne s'assument pas. C'est des vieilles meufs qui pensent qu'elles sont encore des gamines. C'est des filles qui ont eu une enfance ratée, qui ne partaient pas au jet set.
C'est les filles qui n'ont pas fait la vie au Cameroun qui sont retrouvées en bain. Et qui pensent qu'à leurs 50 ans, elles vont encore se rattraper. Parce que les filles qui ont fait le jet set à Bonadio, hein, les femmes qui ont fait le biblo, les femmes qui ont fait la vie dans leur jeunesse, les femmes qui ont fait les bons collèges, elles ne s'agitent pas. Quand tu regardes celle-là qu'on appelle Nathalie Babalé, c'est une vieille peau qui n'a pas joui. Hein? Je ne sais pas celui-là. C'est les gens, meuf là, qui ne se respectent pas. C'est une vieille meuf qui ne se respecte pas. Hein? S'il vous plaît, partagez le live. On va augmenter le volume. Regardez. Oui. Cette fille, oublie-moi pour la vie. Tu comprends quoi? Premier blocage, je te rappelle. Tu m'appelais combien de fois que je te débloque? J'ai refusé. On va aller. Je relance le direct. Hein. Celui-ci a duré. Je n'aime pas les longs directs. Donc, ceux qui. Je relance, je coupe, je relance.